Hey, salut tout le monde, c'est Dahlia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Team Building. Et oui, pour cette CPF Little Cup saison 2. Du coup, aujourd'hui, on va combattre eh bien, contre les cocos d'Antanarivo, hein, donc sorcier malgache, notre rival depuis toujours incroyable. Et du coup, sorcier malgache, eh bien, je pense, à mon sens, peut-être la pire draft eh bien, de tous les participants de cette CPF. Et oui, parce que eh bien, notre ami sorcier malgache, il a 11 Pokémon, et sur ces 11 Pokémon, il a 8 Pokémon sur 11 qui sont faibles à un et unique même type, le type combat. Voilà. Du coup, il a en sa possession Bagiguen, Grindur, Kabuto, Mascaïman, Teddyursa, Sableye Formalola, Bébékaï, Grignote, Galvaran, Mime Junior et Marcacrin. Voilà. Donc ces Pokémon composent la draft de Monsieur Sorcier Malgache. Et voyez, hein, il y a 8 faiblesses qu'on va. Et c'est incroyable parce qu'il y a pratiquement peu de types hein, où je n'ai pas eh bien, de Pokémon. Et le type qu'on va en fait partie. Voilà. Donc on n'a pas. Eh bien, de type combat dans notre draft, hein. On est vraiment très content, mais ne vous inquiétez pas, ce sera quand même très intéressant, je pense. Du coup, pour cette team, eh bien, j'ai sélectionné, comme vous pouvez déjà le voir, eh bien, notre petit fluffetin national, hein. Lui, il fait le café, hein. Peu importe, quand je le prends, il est toujours très bien. Du coup, aujourd'hui, on va le jouer eh bien, avec Pouvoir Lunaire, les Volioroc, hein, comme d'habitude, Aromavei, comme d'habitude également. Donc, il y aura Pouvoir Lunaire. Il aura la puissance cachée de type feu et pas puissance cachée de type combat. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans toute sa team, tout le monde prend Pouvoir Lunaire. Voilà, c'est tout le monde le prend, que ce soit neutre ou super efficace, sauf Grindur et Sableye d'Alola. Et quelle est la coïncidence entre Sableye d'Alola et Grindur? Eh bien, vous me direz la faiblesse, eh bien, x4 au type feu et pas au combat, même si Sableye d'Alola, eh bien, est faible au type combat x4. Grindur, lui, non. Voilà. Du coup, ce qui est intéressant ici, c'est que tout simplement la puissance cachée de type feu, eh bien, va pouvoir passer petit Grindur en deux coups, ainsi que le Sableye d'Alola, si jamais il pointe le bout de son nez, donc on est content. Ensuite, en autre attaque, on joue Aromathérapie pour soigner potentiellement des statues. Je pense qu'il va jouer des statues, genre j'ai des Pokémon qui sont quand même vachement défensifs, et du coup, il y a moyen qu'il joue des toxiques ou des cages éclairs aussi, parce que ma team est quand même très rapide comparée à la sienne. Ouais, il y a moyen qu'il joue de la paralysie ainsi que du toxique, donc voire même de la brûlure. Je sais pas s'il a accès à des... Non, il a pas. Il me semble pas qu'il ait d'attaque pour brûler. Par contre, il a cage éclair avec Grindur et toxique, tout le monde peut la prendre. Voilà. Ok. Et enfin, vœux pour potentiellement se soigner. Il n'y avait pas deux, trois, quatrième attaque très intéressante, donc. Ça peut toujours être bien sur un Pokémon qui nous ferait très peu de dégâts. Donc voilà. Ensuite, on va passer au Malos. Le Malos revient cette fois-ci avec sa ceinture force. Donc cette fois-ci, il n'y aura plus d'erreur. Le Malos sera envoyé en lead. Comme ça, même s'il veut placer les pièges de roc, la ceinture force, eh bien, sera tout simplement très utile. Et vous pouvez voir du coup. Les attaques, il a donc Nitro Charge pour augmenter notre vitesse. Alors en fait, potentiellement, il va jouer certainement des Scarfs hein, dans sa team globalement. Et du coup, monter notre vitesse, bah, c'est plutôt intéressant si jamais il joue des Scarfs. Genre, je pense aussi au Teddyursa. Le Teddyursa, s'il est joué avec Pied Veloce, s'il est amené au terrain, il aura le poison. Et du coup, ça fait qu'il aura comme s'il était muni d'un scarf, un mouchoir choix. Et donc, l'avantage, c'est que Malos, si j'ai placé une Nitro Charge, je serai quand même plus rapide que Teddyursa avec eh bien, son poison. Donc voilà. Ensuite, on a contre. Donc contre, c'est une attaque de type combat.
qui en fait fait plus de dégâts quand on a moins de points de vie. Donc c'est pour ça qu'il a la ceinture force, puisque du coup si on a un point de vie, eh bien tout simplement les dégâts de contre sont de 200. Voilà, donc c'est très très puissant, et vu que c'est type combat, bah vous imaginez bien que c'est très bien contre eh bien, la draft de notre ami sorcier malgache, voilà. Tout simplement. Il faudra faire attention par contre. Du coup, avec notre ceinture force et contre, il a peau dure avec grain dur, il a épine de fer, non, il a épine de fer avec grain dur et peau dure avec grignote. Voilà. Et ensuite, il a également des priorités. Il a une priorité, eh bien, avec le Kabuto qui a Aqua Jet. Ensuite, il a quelques vives attaques. Il a également coup bas sur, il me semble, Mascaillement, si je dis pas de la merde. Et éclat glace avec Marcacra, il me semble. Voilà, si je dis pas de la merde. Mais voilà. Ensuite, on a puissance cachée de type plante pour le Kabuto, hein, si jamais on peut le choper sur un potentiel switch, hein, puisque du coup, Kabuto résiste plutôt bien à nos attaques. Du coup, voilà, si on peut le choper. Sur une anticipation, la puissance cachée de type plante, ça peut toujours faire le café. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai quelques EV en attaque spéciale, c'est pour assurer, il me semble, soit c'est le chaos s'il n'a pas d'évolu rock, et s'il a l'évolu rock, c'est 2 HKO. Voilà, tout simplement. Et le Kuba, voilà, Kuba, hein, une petite priorité qui pourrait toujours être amenée pratique pour terminer un adversaire, voilà, bien évidemment. Ensuite, on a Moustéboué qui va peut-être faire le taf ici aussi, encore une fois. Donc, cette fois-ci, on va le jouer sur un set, eh bien, bulk up, hein, donc gonflette. On va le jouer avec le jus de baie. On va le jouer physique. Donc, bien évidemment, il a casse-brique. Hein, voilà, il a point glace également et cascade, voilà, en attaque. Du coup, hein, casse-brique, bon, j'ai pas besoin de vous rappeler que voilà, toute sa team est faible au combat. Point glace, c'est essentiellement pour le grignote, en fait. Le grignote et le bébé Kai. Voilà. Globalement, si jamais il y a ces deux Pokémon, le point glace fait d'incroyables dégâts, donc c'est parfait. Et Waterfall, c'est le stab pour toucher tout le monde. Et également Monsieur Mime, hein, enfin Mime Junior. Si jamais il est là, je pense que Monsieur Mime, enfin Mime Junior, sera présent dans ce combat. Donc voilà, c'est pour ça que du coup, il a Waterfall pour lui faire des grosses cascades, sa mère. Ensuite, Fampi. Alors, Fampi, je suis plutôt content. Fampi. J'espère qu'il va nous donner eh bien, des choses incroyables. Fampi, il donc évolue au rock. La répartition, toujours pareil, hein. En attaque, en défense et en PV pour tanker au mieux les attaques. Donc ça va être notre tank. Et du coup, le petit Fampi, il va avoir séisme. Hein, donc bon, ça, c'est une attaque stabée. C'est bien pour le Kabuto par exemple, ou le Sablette d'Alola si jamais il est amené, ce genre de choses, mais voilà, ce qu'on va taper le plus, c'est sabotage. Hein. On veut saboter notre adversaire avec ce Fampi, Knockoff, donc on va retirer toutes les évolues rock, les mouchoirs choix, les conneries comme ça. Donc ça c'est cool. On a Gunkshot qui est donc pour le Mime Junior. Voilà, le Mime Junior qui kiffe pas du tout hein, le Gunkshot. Il est 2 HKO avec. Et la dernière attaque, alors ça c'est la petite surprise du chef. Hein. Ça c'est riposte, hein. Counter c'est riposte. Donc en gros, étant donné que cette team est globalement axée que sur le physique, hein, voilà, il y a exclusivement que deux Pokémon qui tapent bien sur le plan spécial. C'est Galvarant et Mime Junior. Marcacrin peut également taper sur spécial, mais c'est pas ouf. Et puis je pense pas qu'il l'amène. Donc ouais, voilà. Donc en gros, ce Pokémon peut tanker toutes les attaques de n'importe quel de ces Pokémon, même le Kabuto Waterfall, à part s'il y a peut-être la météo pluie, tu vois, genre s'il est Life Orb pluie machin. Ouais, au bout d'un moment, je pense qu'il me tue, tu vois, mais il tanke les balles graines, enfin il tanke
il tank, tu vois. Et du coup, le riposte qui fera certainement un KO si jamais, eh bien, Sorcier Malgache attaque ce Fampi, tout simplement. Voire deux KO si, tout simplement, eh bien, il prend pas très cher, ce Fampi. Donc, voilà. Suffit de perdre 10 PV, hein. Généralement, on perd 11 PV et on fait un KO, en fait. Et comme on a 28 PV, on peut potentiellement tuer deux Pokémon, hein. Donc, c'est très fort. Ensuite, on va jouer le petit Marisson qui revient encore une fois, eh bien, sous sa version mouchoir choix avec pare-balles, qui est très pratique puisque du coup, il a le Ferrotorme, donc le grain dur, pas le Ferrotorme, le Ferrocide, ouais, justement, le petit grain dur. Et du coup, grain dur, bah, il a balle graine par exemple, tout simplement, et donc ça va empêcher tout simplement les balles graines, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, en attaque, bien évidemment, on a Vampigraine. Vampigraine, pas du tout. Vampipoint, je vais y arriver. Bah, voilà, hein, toujours pareil. Hein, voilà, c'est une attaque combat, donc c'est très fort. Direct Toxic pour le Mime Junior. Zen Headbutt, donc Psy Coup de Boule, qui est là pour le Bébé Kai, notamment. Voilà. Et Canon Graine, qui est là pour le stab, hein, tout simplement. Pour faire des dégâts au mieux, si jamais eh bien, tous les Pokémon sont neutres. Ainsi que, également, au Kabuto qui meurt en un coup, bien évidemment. Et enfin, le dernier Pokémon, nouvelle arrivée, c'est la première fois qu'on va jouer Tick. Et oui, le voilà, le Tick. Donc, il va être joué avec l'Evoluroc. Il va être là en fait en termes de. Il va pouvoir check certains de ses Pokémon et tout simplement pouvoir riposter avec des attaques. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, malheureusement, ce Pokémon, bon, voilà, son talent, c'est le truc là qui empêche le baisse de stats, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais voilà, Clear Body, Corsin, voilà, c'est Corsin, c'est bon. Et en attaque, du coup, il a son attaque signature, là, Lance-Écrou, donc ça tape deux fois et ça tape du 50, donc c'est très fort comme attaque, et c'est pareil, dans cette team, il y a aucun Pokémon qui, en fait, résiste le type acier, à part son grain dur, voilà, tout le reste, c'est neutre. Ou super efficace, donc ben, super efficace, non, enfin si, sur Mime Junior, c'est tout. Mais voilà, globalement, c'est une, voilà, c'est, ça va être son stab et il va taper qu'avec ça. Et sinon, bah en fait, en autre attaque, c'était absolument inintéressant tout le reste. Genre, il a vraiment des moves pourris, ce Pokémon. Du coup, j'ai mis Éclatroc. Éclatroc qui peut baisser la défense, donc. Pourquoi pas. Ensuite, bah, Toxique, voilà, parce que bah, j'avais, pareil, il n'y a aucun move intéressant sur lui. Il y a vraiment que ce stab, en fait, qui est intéressant contre la team de Sorcier Malgache. Donc, voilà, parce qu'il apprend des attaques électriques, tu vois, mais... Voilà, je m'en fous totalement. Il a qu'un typo, et après, il a un type sol, donc c'est pas intéressant. Et la dernière attaque, c'est Changement de Vitesse, hein, donc il permettra de booster sa vitesse de par 2, et son attaque par 1, du coup ça va être très intéressant, parce qu'il aura potentiellement un pouvoir de sweep, hein, tout simplement, ce Pokémon. Donc voilà, avec la répartition en vitesse, avec le changement de vitesse, il dépasse tous ses Pokémon, même s'ils ont un mouchoir choix, donc ça c'est pratique, tout simplement. Et donc voilà, et du coup, voilà, si on est à plus 1, on fait beaucoup de KO avec... avec Lance-Écrou, donc ça risque d'être prometteur. J'ai hâte de faire ce match du coup avec Sorcier Malgache et de découvrir sa team, ça risque d'être très intéressant. Du coup, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve eh bien demain 16h pour le match contre les Coco d'Antananarivo. Et sur ce, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, lâchez le pouce bleu. Et on se retrouve eh bien demain pour le match, eh bien, tout simplement contre les cocos. Des bisous tout le monde et bye bye.